adossé à Quétier. Oui, mon cher Panthéon Brognard. Nos candidats sont plus féroces qu'on ne le pensait. Bien oui, plus ils se défendent. Effectivement. Et ils ont raison. Et ils ont raison parce que c'est le dernier épisode où on leur donne le petit coup de main en cas de petite attaque de bestioles pas gentilles, tout ah, ça. Ah bah oui, on fait une sorte de tuto, mais après, voilà. C'est le dernier épisode. Et en plus, les viewers, vous qui êtes derrière, on ne vous oublie pas, on ne vous oubliera jamais. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit bonjour. Eh bien, bonjour à tous, c'est Doucéa. C'est Panthéon. Et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre île des pensées, à notre Minecraft par Doucéa et Panthéon Gaming. Résumé du premier épisode, ils ont découvert l'île, ils ont découvert leur campement, ils ont commencé à l'élaborer. Oui. Et ils ont plus ou moins terminé là-dessus. Si je me trompe pas. Deuxième épisode. Ils ont eu 20 minutes pour finir, améliorer, peaufiner ou aller chercher quelques matériaux divers dont ils ont besoin pour forcément s'équiper et tout. Et petit défi, il y avait les villageois à trouver parce qu'il faut bien se nourrir. Et ça a été trouvé par Boikil qui est tout à gauche en train de sautiller dans son arche. Dans l'équipe rouge qui se prénomme les... Les Sambalés. Ok. Et chez les jaunes, ce sont les... Yeko. Les Sambalés Yeko au total. Et donc, troisième épisode. On va le lancer maintenant d'ailleurs. Et... Let's go. Troisième épisode, les Pensées. C'est très très simple. Lors du présent épisode, vous avez récupéré des vituailles. N'est-ce pas les rouges, n'est-ce pas les jaunes? Et en off, parce qu'il y a eu un petit... problème avec notre Charlito National qui avait piqué les pastèques. Résultat, on n'en avait plus aucune de disponible. Oui. Vous avez récupéré des vituailles, vous avez récupéré des légumes, du blé, vous avez récupéré tout ce qu'on vous a donné. Le but, c'est que vous allez retourner dans votre campement et vous aurez à partir de ce moment-là 15 minutes pour créer un potager le plus complet possible. Nous avons fait l'allusion par rapport aux pastèques. Oui. Doucéa explique les pastèques. Les pastèques vont être très importantes, effectivement, pour la suite des événements, des prochains épisodes, sachant qu'il y aura une épreuve où il vous faudra énormément de pastèques. Donc, prêtez-y bien attention. Voilà, donc vous comprenez bien que les pastèques seront limite une priorité. Bien sûr, le potager va vous aider survivre en termes de nourriture. Et après les 15 minutes d'élaboration du potager... Enfin, on débutera la première épreuve. Et c'est une épreuve de confort. Une épreuve de confort. Donc, on a lancé le Let's Go. Annonce ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'on a dit il y a quelques instants. Allez. Eh oui, il va falloir... Hop, Charlito. Toujours dissipé. Engage. Alors, à mon top départ, vous retournez à votre campement. 3, 2, 1... Et c'est parti! Super! Donc ils doivent retourner à leur campement et là, ils ne doivent pas toucher à leur campement en soi, mais élaborer un potager complet. Oui, avec ce qui leur a été donné, effectivement. Effectivement. Et donc, une fois arrivé au campement, c'est pareil, même règle qu'à l'épisode numéro 2. Dès que une équipe complète est arrivée à l'intérieur de son campement, ça lancera le top des 15 minutes. Et 15 minutes, pour le coup, je voudrais pas être... Je sais pas, je dirais que c'est très gentil pour fabriquer un potager. Pour faire un potager, oui. Mais attention, il y a des particularités quand on se construit un potager avec des citrouilles et des pastèques. Oui. Donc ils y vont, et là on sent qu'ils sont super habitués. Ils connaissent le chemin. Là, nous avons chez les rouges, Boikil, suivi par Ekil, mais de très près par Mikoko. Moi j'ai Charlito en tête, suivi de Kos, et derrière qui arrive tranquille sans se casser la gamelle pour éviter d'avoir de la vie en moins, Kinder. N'oubliez pas, vous êtes une équipe, vous êtes solidaire. Et vous avez la possibilité de vous parler sans problème. N'hésitez pas à communiquer entre vous, c'est important. Non. Télépathie, c'est plus nécessaire maintenant. On se comprend.
ça y est, c'est déjà assez proche, j'ai l'impression du côté des jaunes. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est eux qui vont lancer le chronomètre? Alors, sachant qu'on a testé bien avant le tournage de l'île des Pensées, combien de temps il fallait pour chacune des équipes aller de part et d'autre, et en étant assez astucieux, on met à quelques secondes près le même temps. Et voilà, on voit que Boikil est le premier à arriver, mais il faut que les deux autres suivent et aillent à l'intérieur. Ouais, j'ai Kos qui arrive. Au campement, suivi de Charlito, les deux hop viennent d'y rentrer. Et ah là, c'est serré, allez, c'est allez, serré. Hop, et on a Kinder qui arrive, qui arrive, allez, qui allez, arrive. Allez Kinder. Et de mon côté, c'est bon. Top, 15 minutes, potager. Allez-y. Parti pour les bon, jeunes. Les c'est deux, là, j'avais déjà commencé. Regardez, Skialo, Sin Pastek. Donc c'est plutôt avantageux pour nous, on avait déjà une d'avance. Ah. Donc je les fais tous les deux. J'ai de la canne à sucre, des graines. Canne à sucre, on va les poser ici. De l'os. Et on va en monter une et tout, j'en ai. Des flèches. Ici là. Ouais, j'écoute. On va chercher du bois pour faire des barrières. Faut faire... Ouais, allez, ça marche. La pierre, hein. Faut faire une du chêne, c'est ce qu'on a déjà. Donc n'oubliez pas qu'il y a une particularité pour les plantations de pastèques et de citrouille. Hésite pas à enlever du blé, Brek. Fais des ouais, rigoles. Je pensais faire rallonger sur le côté de la maison en fait. Là. C'est que du blé hein, que j'ai fait. J'ai fait qu'une pastèque et que du blé. Ouais. Kinder, faut faire des rigoles pour. J'ai dit ça. N'importe quoi. Bon. Eh, Brek, on se ferait pas quelques panneaux? Ah ben non, c'est stratégique ça, histoire de ne pas dire aux autres ce qu'on voudrait dire. Ah si on peut. J'ai des houes en bois les mecs. Merde, il en a pas. Ouais, pareil. Vas-y, fais eux. Alors là on les laisse parler, on les laisse faire leur petit truc. Il aurait fallu une case en dessous. Du côté chez les rouges, Boikil a, je pense, cette fameuse technique. Faites-le une case en dessous, les gars. De quoi une case? L'équipe jaune. L'équipe jaune. Kovan, chacun de la porte. Chose qu'à l'été, quoi, sinon vous cherchez dans le corps. C'est dans la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Charlito est coincé. Non, non, c'est bon. Effectivement, parce que la nuit tombe sur l'île des Pensées. Ouais, ouais, alors des barrières, tu veux les mettre où? Mets-les au fond et essaye de les mettre tout autour. Ok.
C'est machin de sel. Attends, ah, j'ai pas encore fini vraiment le contour. Là, tu peux les mettre au fond, mais là, non. Ok. Là, j'ai pas encore fini en fait. Généralement, quand il y a. On dit ça comme ça, on les laisse tranquillement faire leur petit potager. Généralement, quand on pose une question, où est la direction de tel objet, on a souvent tendance à vouloir répondre. Dans ton cul. Dans ton cul. On l'a pas entendu une seule fois. Dans ton cul. Voilà, forcément. Lance pas des perches comme ça. Ah, mais je me doutais qu'il y a quelqu'un qui allait, répondre. On se doutait qu'il y a quelqu'un qui allait répondre. Et là. Protéger des genoux, pas de mal dessus. Il reste des torches. J'en ai pas de. Par contre, maintenant, quand tu passes sur les zones. Bah, qui sont labourés, regarde, j'ai l'impression qu'elles redeviennent normales. Ah, oui, effectivement, attention. Ou alors, peut-être qu'il faut pas courir. Ah, non, il faut pas courir dessus, il faut pas sauter. Tu m'as dit, au fait, les torches sont restées. J'en ai mis quelques-unes pour les tomber. Après celui-là, ça suffira, non? Ouais, normalement. Le truc, c'est qu'effectivement, auront-ils le nombre de pastèques suffisant le jour où l'épreuve sera. Le jour où il en faudra assez. J'ai des barrières. Ouais, vas-y, amène-les. Je les mets où? Là on a une pastèque de fini, profite-en. Bien c'est que si un jour on les veut comme ouvriers qualifiés gratuits sur notre map, on pense qu'il y a du potentiel quand même. On va faire comme ça. Et vous êtes à 6 minutes 30. J'aperçois effectivement des pastèques chez les rouges, du blé, je crois apercevoir des patates. Côté. Le bref, les cannes à sucre, tu les as? Oh, joli, joli Kinder. Café Kinder, d'après toi? Parce qu'à la limite. D'accord. Mais les sur le sable là. Mais les juste là à côté. C'est une technique, effectivement. Ouais. C'est une belle technique de booster les plantations. C'est parfait comme ça. Que nous parlons, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube de Toucea et Vendela Gaming que vous pouvez trouver partout. Et on précise que pendant les tournages de jeux, nous voyons le chat, nous lisons effectivement et nous répondons après les tournages. Il y a du monstre qui arrive en nous. Donc ça avance, ça avance, ça avance, ça prend forme. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, ça agrandit visuellement leur espace de campement.
Non, c'est pas au milieu. Et nous sommes bientôt. Et nous sommes à 9 minutes. Merci de ça. Squelette. Et donc, j'espère qu'ils n'auront pas trop peur parce que c'est vraiment le dernier épisode où on les aide en cas de gros pépins. C'est-à-dire que normalement, ça fait déjà depuis le deuxième épisode qu'on devrait même plus les aider à se diriger, effectivement, quand ils meurent. Mais c'est pas facile, c'était dans le noir. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, le cycle jour-nuit passe assez vite. Donc, quand on n'est pas équipé, on a vite fait d'y rester, tout simplement. Et oui, parce qu'il faut rappeler que dans Minecraft, il y a un cycle jour-nuit qui dure 10 minutes pour le jour et le même temps pour la nuit, que la survie est indispensable. Donc il faut tout le temps se nourrir, se protéger aussi, et il faut savoir que nos candidats pour l'instant ne sont absolument pas pourvus d'armure, même en cuir qui est le... Il me semble que de ton côté Brekkil a quelque chose. Tu sens que quelque chose Brekkil, oui. Ah oui, hein. La technique aussi du boost. Ah, j'ai entendu un bip. Du boost de plantation. Bien quand même. Ouais, c'est bien ça que t'as boosté. Ah ouais, c'est bien. Nickel. Bon bah, c'est bon, je pense. Hein. Ah, mais faudrait mettre une barrière vraiment tout autour. Parce que... Bah, j'avais, mais je les ai plus. Ah. J'avais même fait un petit portillon. Je vérifie si j'ai rien ramassé entre deux. Le portillon, les portillons ils sont là. Mais les barrières je les trouve plus. Ah bon. Attends, j'en ai deux des portillons. Ici, mets-les là. Entre les deux. Voilà. Mets les torches au milieu. Enfin, de chaque côté, comme ça on sait. Voilà, donc il faut rappeler aux candidats qu'ils auront besoin d'un nombre, on va dire, assez conséquent de pastèques à maturité. Oui, pour une épreuve par la suite, effectivement. Et il faut préciser, bien sûr, que c'est en forme de bloc qu'il faut les avoir en main. Il vous reste 3 minutes 25. Donc profitez-en, si vous avez d'autres graines à planter, profitez-en pour agrandir, car vous n'êtes pas, entre guillemets... Pour aménager... Il faut de la terre, les mecs. Et il faut de la terre, les mecs. Qui est jaune. Que créer leur monument de départ. Bah, disons que je pense qu'ils ont besoin de terre et à la limite c'était peut-être un petit surplus qui m'apporte leur sert effectivement. Et il vous reste moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Et on va faire une règle très très simple. Quand on dira le top, vous êtes à 15 minutes. Rendez-vous. Oh, au QG. Au QG. Ok. Et on précise aux viewers qui regardent cet épisode pendant les diffusions tous les mardis à partir du 18 octobre que c'est vraiment fait en freestyle quoi. C'est on a une élaboration de départ, les plans sont faits, mais là par exemple de ça quand pastèque, tu dis... j'avais pastèque. Il en faut au moins. Il faut rien mettre là. Sur cette case là.
Et comme, oui, quand j'essaie, on se retrouve à la case mi tout, elle m'a fait... Mmh. Et ouais, parce que ça n'est pas... Bah non, je sais pas si tu voulais qu'ils rentrent dans leur... qu'ils rentrent dans leur... Si tu voulais qu'il rentre au QG. Et voilà. Apparemment, c'est tout. Ça sera au QG et ça sera dans une minute qu'il faudra se rendre au QG. Donc terminé, terminé, vite, 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 vite. Ouais, faut rien mettre. Faut rien mettre ici. Et là. Il continue, continue. Voilà, n'oubliez pas les pastèques dans l'épreuve que vous aurez à faire bientôt. Ça sera entre guillemets la vie. Il vous reste, ma chère Doucea, 30 secondes. Donc préparez-vous à rentrer. Vous n'avez pas le droit de rentrer avant le top. Et ne tardez pas. Non. Après le top. Remettez-vous bien en bouffe, les gars. Ouais. Ah oui, préparez-vous à prendre bien en bouffe. Vous pourrez plus retourner à votre 10, campement. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, au QG les pensées à... Au QG les pensées à... Je vois Ekin, dépêche-toi Ekin. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, il suit. Oh putain. Il va se dépêcher, Kina, sinon. Moi j'ai Charlito en tête. Suivi de Koss. Vas-y, avance. Et Kinder qui arrive. Kinder qui nous fait toujours la bonne surprise d'être là. Bizarre, je m'en doutais. Malgré ma manette défaillante. Et ah. Je suis un peu déçu. Et Kina, tu as un cheval? Je pensais qu'il donnait du cuir. Ah, je ne donnais pas. Je sais plus si le cheval donne quelque chose depuis la dernière mise à jour sur PS4. Le blanc, je ne vais pas y toucher. C'est rare. Donc hop, vue aérienne. Bouekil est en tête. Ah non, pardon, je me suis trompé. Non, vas-y. Si, il me semble, Nico y est. Nico, je l'ai perdu en fait. Ouais, Nikoko est un tout petit peu perdu. Qu'il en profite de l'aide qu'on peut lui apporter. Nikoko, ah, je le vois aller là-bas. Et qui ne t'inquiète pas, poursuit tranquillement. Nikoko, ouais, continue tout droit. Vas-y, tout droit à partir. Va légèrement vers la gauche. Et c'est tout droit, suit la ligne des blocs qui est devant toi. Voilà, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas. Rentrer au QG au plus vite, pour l'instant, n'est pas encore quelque chose d'éliminatoire ou d'inconfortable d'arriver en dernier. Mais, c'est le plaisir du jeu. Voilà, ils ont fait plus de la moitié du chemin en ce qui concerne les rouges. Bouekil est en premier, Kin en deuxième, Nikoko suit juste derrière. Et hop, on leur donne rendez-vous devant leurs arches respectifs. Allez, moi j'en vois, je vois du monde arriver, oh. Je vois Charlie arriver. Ils arrivent, je vois. Koss, je te présente le sol. allez, Charlie, tout Koss... vite, rentre dans ton arche. Kinder aussi. Allez, Koss. Bah, je suis loin là, du coup. Ah ouais, bah du coup, on va devoir attendre que les deux premiers rouges rentrent pour ramener. Mais il est mort en fait. Koss, oui, Koss. Ramène-le. Ah, ça fait la fois que je suis mort tout à l'heure. C'est une mauvaise chute. Allez, Nico. On y croit. Allez, on y croit, Nikoko. On y croit. Et c'est voilà l'arrivée de Nikoko. Voilà. On peut même pas y ralentir, c'est n'importe quoi. Sherlock et Kinder, rentrez dans vos lots pour que Doucea puisse ramener Koss. Voilà, c'est bon, elle peut ramener Koss. Car il est parti en Écosse. Oh, elle est bonne. Oh, elle est bonne. J'ai plus de bouffe. Charlito qui est un gourmand comme pas possible.
Et voilà, Koss, allez, vas-y, rentre dans ton arche et top. Bravo à tous, je pense que vous avez compris le concept. Donc maintenant, vous avez votre grand potager et votre grande bâtisse, votre camp qui est terminé. Voilà, on arrête le chronomètre et on va passer enfin à l'épreuve de confort que Doucea sera fier de vous présenter. Oui. Vous allez vous mettre devant moi. Je veux voir les rouges devant moi, l'un derrière l'autre. Et Doucea va faire de même si elle veut que son équipe soit aussi... Je la laisse diriger. Sauf son qu'il équipe. Y a qu'un passage. Il y a... Ah, pardon. Alors, oui, oui, rectification. L'un devant l'autre, les rouges. L'un derrière l'autre, pardon, les rouges. Devant les torches. Oui, alors plutôt jaune, par là. Donc, les et rouges à droite, pas. Voilà. Voilà, voilà. Bravo, Brick. Il a tout compris. Ok, c'est bon. Et je te laisse présenter le pourquoi du comment de cette première épreuve. Bah, l'épreuve, elle est toute bête. Hein. J'y vais. Je vais mourir si je saute. Alors, ne sautez pas. Et c'est juste un parcours qu'il faut faire, à suivre. C'est tout bête, c'est dirigeable. Vous avez juste à regarder le sol et vous savez qu'il faut aller dans telle ou telle direction. Attention à ne pas tomber, évitez de tomber sinon forcément retour au point de départ. À l'arrivée, de beaux cadeaux vous attendent. Je vais essayer de sortir et de montrer ça donc à nos viewers. Seuls les viewers pourront voir ce qui les attend. Voilà, je pense que c'est une belle récompense. Effectivement, c'est une épreuve de confort. Donc voilà. Pour un premier jeu effectivement de confort, les cadeaux sont tout beaux. Comment ça va se passer? C'est très simple. Vous, il y a le parcours à terminer. Je le fais, Doucea a commencé très rapidement. Attention ici, il faut passer dans l'arche qui est oui. dans l'eau. En dessous. Ah oui, oui. Oui, voilà. Oui, donc voilà, c'est de toute façon, il y a une lignée jaune. Non, mais j'avais compris, c'était en dessous, c'était une... Et en... connerie comme ça. Eh oui, effectivement, Charles. Et c'est pareil tout le long. Et attention, l'escalier. Et attention, ne pas confondre rapidité et précipitation. Merci. Faut que les trois arrivent ou alors justement, ça va être un relais. C'est pour ça qu'il faut bien déterminer qui doit passer en premier, qui passe en premier, deuxième ou troisième. Et ensuite, c'est très très simple. Okay. Dès qu'on donne le top. Si là je prends en compte, c'est Kinder et Brekil qui partiront en premier. Là je vais mourir si je cours. Eh ben... Ah bah faut manger, non, faut manger. Oui, il fallait manger avant. Pourquoi tu bouges, Charlol? Tu fais quoi? Deux secondes. Je vais me tuer. Hein? Non, Charlol. Non, tu retournes à ta file. Et non, c'est oui, justement, on avait dit qu'il y avait une épreuve de confort et que si t'as pas assez mangé pour courir, et ben tu marcheras. C'est valable pour. On vous la laisse, celle-là, les rouges. On tout le monde. Voilà. Pour les autres, personne n'a pris de nourriture avec vous. Tiens, avec regarde, broute de l'herbe. Voilà, si... Effectivement, il aurait fallu penser, à manger. Pensez toujours que votre survie en même temps, c'est de manger. Sinon, effectivement, votre vie diminue très très vite. Mais ça ne veut pas dire c'est que ceux qui sont les plus en forme plus gagneront, parce qu'il faut faire attention à ne pas tomber. Voilà, ça ne veut pas dire effectivement. C'est comme on disait, ne pas confondre vitesse et précipitation. Exactement. Donc Kinder, recule-toi un petit peu. Je précise juste une règle. Donc dans ce jeu, écoutez attentivement, celui qui tombe revient à son point de départ, donc là actuellement où vous êtes. Et il y aura des sauts un peu plus loin à effectuer. Et il est également interdit de s'accroupir pour ne pas tomber. Comme Charlulk. Voilà, qui va appuyer gentiment sur R3 pour se mettre debout. Et de toute façon, on surveille. Si on voit quelqu'un se met accroupi, il repart à zéro. Est-ce que vous êtes prêts?
prêt. Ok. Yep. Donc ça va commencer par Wakil et Kinder. Une fois que l'un des deux ou les deux arrivent en même temps, ça sera au deuxième de partir et ensuite au troisième. Et on déterminera quelle équipe a gagné le confort, ma chère Doucia. Voilà. Je dis juste qu'en arrivant, donc vous passez effectivement l'arche. L'arrivée se trouve ici. Ne pas ouvrir le coffre, s'il vous plaît, ne pas le détruire. Il sera ouvert par l'un des trois derniers de l'équipe gagnante. Voilà. Et une fois que vous avez passé cette arche, effectivement, vous allez passer le relais à votre équipier. Et hop, c'est parti. Et hop, c'est parti. Donc, on va lancer le 3, 2, 1, top. Que tout ça va lancer. Je me prépare. Ah, voilà. Je me prépare à suivre. Alors, tu vas surveiller. La petite différence, c'est que pour le coup, tu vas surveiller mon équipe et je vais surveiller la tienne. D'accord. Quand t'es mort, t'as du boulot. D'accord. Est-ce que l'équipe jaune est prête? Ouais, prête. Yes. On est tous prêts. Les rouges? Ouais, sauf oui. Charlie qui va mourir. Vous avez pas inventé un petit cri de guerre, il va falloir remédier à ça. Hein. Ouais, on va se concerter, Nikoko. Bref, qu'il est mort, on fera ça. Pas de soucis. Alors, on y va. 3, 2, 1, go! C'est quand tu veux, Kinder. Ouais! Donc, Kinder, il fait un faux départ. Il avance. Et oui, c'est pas facile en survie sans aucune armure, sans aucune aide. Et donc là, forcément ou pas, mais Kinder de ton équipe. Allez, Kinder. Allez, Break. Ah. On y croit. Il n'ose pas courir. Hein, sans bah, c'est la partie la plus dure là. Et en plus, la nuit tombe. Mauvais karma. Mauvais chat noir. Chat noir. Oh, wow, joli. Oh là là, Break, il est chaud là. Il est en transe là, ça y est. Allez, Break, il. Allez. Kinder, allez, vas-y. Oh, Kinder s'est très bien débrouillé. Bravo à lui. Il passe l'avant-dernière arche. Vas-y, je viens des cosses aussi, hein, regarde. Comme t'es rapide, tout. Pour l'instant, personne ne tombe. Tranquille. Effectivement. Tranquille. Ça se débrouille super bien. Donc, l'eau sur la boîte, je crois que je vais tomber dans l'eau. Oh, Kinder est tombé. Kinder est tombé. Retour, s'il est tombé de l'équipe jaune, il est tombé. Allez, monte sur la surface et retourne-y. Même toi, Nico, Break, il vient de franchir le portail. Il passe le relais. Un décart. Merci. Ekin. Ok, oh là 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 là, et l'équipe rouge a déjà un tour d'avance. Et Kinder recommence. Il ne faut pas d'erreur si tu fais. Ouais, j'ai à peu près vu ce que tu. Wow, comment ça se fait? Fais des erreurs. Il y a le courant ou quoi? Fais des erreurs. Comme ça, tu seras invité dans ma chaîne, sur ma chaîne. Et après, il n'y a plus de courant. C'est du 1 décart. Et donc, du coup, là, ils sont à égalité. Mais. Ah là 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 là, je l'ai vu, Kinder. Il a fondu. Mais t'es surpris. Il a fait plouf. Il n'est pas si bueno que ça. Oh, mais c'était un délice. Donc, on retourne dans ta country. La feuille. On retourne dans ta country. Et Kin est tombé. Ouais. J'ai glissé, chef. Et Kin doit repartir à zéro. Du coup, Kinder, là. Pourquoi je sens que je vais tomber, Kaido? L'avant-avant-dernière arche. On a toujours de l'avance. Et voilà. Allez, Kinder. Il fait noir, mais vas-y, tu peux le faire. Fais gaffe au courant, hein, Max. Fais gaffe au courant. Putain.
J'oublie à chaque fois celui-là. Mais il est passé. Oh, oh, Kinder a réussi cette fois-ci à passer. Attention, attention. Attention. Oh, oh non, Kinder a reploufé. Allez, dans l'eau. Allez, attends, regarde. Je le fais en moonwalk. Le moonwalk des Kin. Et Kinder est reparti. Il a fait mieux qu'au premier tour, mais sachez que ça peut arriver à tout le monde. Ouais. À tout le monde, c'est le jeu. Ouh là là, il y a un petit creeper là, je m'en occupe. Il est dans l'eau. Voilà, dégage. Oh mais non. Kin est tombé. Et Kin est retombé. Oh là 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 là. C'est serré, c'est serré. Désolé les gars, désolé. Pas grave. N'en voulez, n'en voulez pas à vos camarades, c'est un jeu, ne l'oubliez pas. Ne te précipite pas. Vas-y, Kinder, pas d'avance. Je pensais l'avoir, mais... Alors, attention au courant. Vas-y, vas-y. Ouais, t'inquiète. Hop, c'est passé. On peut... Tu pourrais passer. Non. On peut dire que Kinder, ton petit Kinder de ton équipe, ça ressemble plus à un mon chéri qu'une cerise dans le cul, là, pour le coup, hein. Je m'en fous, ça en a fait rire certains. Ah oui, non mais j'en doute pas. Allez, Kinder repasse la porte et là il va arriver pour la troisième fois au passage le plus dur de ton épreuve que tu as élaboré, Lucéa. Qui est pas trop loin. Les trous. Vaut mieux prendre son temps, bloc après bloc. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on disait ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Oh, oh Kinder est tombé. Il est tombé. Kinder est retombé, mon ah. Dieu, mon Dieu. Et qui n'est pas loin. Laisse-toi couler, t'as assez d'air. T'inquiète, t'inquiète. Respirez à fond. Et Kinder est reparti pour son troisième ou quatrième tour. Au bout d'un moment, il connaîtra plus l'épreuve que nous. Je t'en prie, ne charrie pas mon équipe. Oh, c'est une bonne guerre, Lucia, c'est une bonne guerre. Et qui nous fait de merveilleux sauts. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pas voir la nuit passer, là pour le coup sur Minecraft. Allez. C'est bien parce que. Et là, t'as juste à suivre le chemin. Non, allez, je fais exprès de tomber, Kinder, il me fait un peu de peine. Je suis presque peiné à aller voir l'avancée de mon équipe. Et Kin vient de passer le penche et il passe le relais à Nikoko. Coup de tête. Et malheureusement, je ne peux pas soutenir mon équipe, mais j'y suis à cœur. Ouais, attention, on est au niveau de la porte. Il y a un fort courant, ce petit peu. T'inquiète. Nickel. Hein ? Voilà, suite à ligne, tranquille. Allez, Kinder. Ah, t'es tombé, Nico. Nico, t'es tombé, il faut que tu suives la ligne. Il faut marcher. Et reviens, Nico, reviens. Il faut revenir de n'importe quelle façon, à part comment vous repartez du point de départ. Tu marches sur la ligne. Ne flotte pas comme ça. Allez, Kinder, vas-y, doucement. Ah, Kinder est retombé. Je l'ai vu par rapport à l'écran. Allez, Nico. Allez, tranquille, on a un tour d'avance, enfin deux tours d'avance. Ouais, on a deux personnes d'avance. C'est juste au niveau voilà, de la voilà, fais-le tranquillement. Fais attention au courant. C'est même à se demander si notre pauvre Sherlock va connaître l'épreuve. Allez, allez. Allez, bien joué. Vas-y, là, tu... tranquille, tu te laisses aller, vas-y, suis la ligne. Marche juste sur la ligne. Pas besoin de te précipiter. Voilà, tu tournes, tu passes sous l'arche. Voilà, nickel, allez. Tranquille, hein, tranquille. Il est derrière toi, mais c'est pas une course au coude à coude, là, donc tranquillement. Et de toute façon, les personnages ne peuvent pas se percuter. Allez, Nico, tranquille. Ouais. Mais on y croit encore chez les jaunes. Laisse-le même te dépasser s'il faut. Si ça jamais ça te perturbe, tu le laisses te dépasser, y'a pas de soucis. Ouais, tu le laisses passer devant, comme ça au moins t'auras le champ.
Ah, oh, Kinder est retombé. Alors, ça va, je pense que c'est Nico. Et Nico est, et Nico est retombé également. C'est pas grave, allez, viens, Nico. C'est pas grave, allez. Au moins, tu connais le début du parcours, tu vas t'y habituer petit à petit, t'inquiète. C'est vrai que quand tu l'avais fait, quand on l'avait testé, on s'est dit c'est pas si compliqué en fait. Il y a une certaine pression, hein, on a une certaine pression. Ouais, Nico, tranquille. Et Kinder est reparti. Et le pire, c'est que j'ai pas jusqu'au bout. Hein, ouais, tranquille, Kinder, tranquille. Jusqu'au bout, parce qu'à chaque fois que je vois ces sauts sont bien faits, mais à la fois au dernier c'est précipité, pouf, il est tombé. Et je sens une certaine forme aussi de, en même temps, de voir le coco, de prévention. Ouais. Mais ça va aller, il va y arriver tranquillement, il sait qu'il y a le temps. L'équipe qui doit gagner. Je peux pas, je peux pas. Attention, je vais t'éliminer. Non. Tranquille, Nico, n'oublie pas. Oups. Tu t'es tombé, tu recommences. Allez, Kinder. Prends ton temps, prends ton temps. Oui, effectivement, à ce bloc-là, on perd un peu de vie. N'hésitez pas à dire Nico si vous êtes là. Nico est tombé. Ah, Nico est tombé. C'est pas grave, Nico. C'est pas grave. On peut toujours faire. Et là, Kinder arrive au passage qu'il doit dès à présent détester. Oh, le non. Début, tu le connais. Oh non, ah, Kinder. J'allais dire un petit soutien pour Kinder quand même. Est-ce parce que Kinder son équipe elle pour rien le soutient pas Paul. Est-ce que Kinder allez, souhaite passer le relais effectivement? Nico, tu peux laisser tomber, encore tomber. Oula. Ah, Kinder a péri par noyade. Il a abandonné. Ça y est, c'est dit, okay. C'est mort. Qui envoie... Qui était après Kinder bah, hein. Envoie... Qui était... envoie ouais. Charlito, c'était Charlito. Charlito, ouais. Vas-y. Je rapatrie Kinder. Ok. Vas-y Nico, tranquille. Tranquille. Voilà. C'est toujours leur premier passage. Donc effectivement, c'est toujours le premier passage. Hop, Nico. Je ne vois pas si c'est bon. Charlito est là. Charlito ah, est là. Ah, c'est pas grave. Pas de soucis. N'oubliez pas qu'au fond des choses, ce n'est qu'un jeu. De oui, on s'en fout, on est là pour s'éclater. On est là pour... Exactement, ouais. Bravo. Ah. Hop, et j'arrive de loin. Allez, Nico, ça tient rien. Même moi, ça m'est arrivé, de toute façon, j'ai dû le faire à je sais pas combien de reprises, donc t'inquiète. Pose-toi, fais-le tranquille. Si tu dois passer 5 secondes sur un truc, n'hésite pas. De ça. Oui. Il y a un truc, t'as dit qu'il fallait marcher sur les plateformes. Merde. Charlotte, tu as plus grand fond. Oui. Ah, et Charlotte est en train de flotter avant de monter l'escalier. Ah, mais de toute façon, Charlotte est tombé, donc il va recommencer depuis le début. Comptez-moi qu'il y a la visibilité sur Charlotte, moi sur le coco. Mais oui. Coco, c'est le coco qui faut regarder. Ouais. T'es sûr que t'appuies sur le joystick avant, ah, Charlotte? Ah oui. Il est... Ah, t'étais accroupi. T'étais accroupi, Charles. T'étais accroupi. Je t'avais dit qu'il fallait pas le faire. Voilà, marche. Le bouton R3 ne doit pas servir. Je crois qu'il y a une araignée là-bas, pas loin. Mais ah. Elle ne devrait pas gêner. Quelle araignée? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Charles qui repartit. Allez, Nico, tranquille. Un à un. Voilà. Voilà. Ah, ah dommage. Dommage. C'est pas grave. Pense à toujours te recentrer s'il faut. Ah, tu te remets bien au milieu du bloc. Mais ça va aller, t'en fais pas. Tranquille, ah. Le stress. Ah là là là, je m'attendais pas à ce qu'il souffre.
Allez, ça fait déjà un jour et une nuit que l'épreuve dure. Ah, faut ce qu'il faut. Bon, l'épisode va durer 2h40. Et ce n'est que la première épreuve. Le pire, c'est que c'est ça, c'est que la première épreuve. Et le pire, c'est que personnellement, je la considère comme l'une des plus faciles. Ça craint. Non, non. Pas la plus facile. Celle qui paraît la plus facile. Celle qui paraît. On parcours, est des bons constructeurs, parcours. Mais on est des mauvais parcoureurs. Alors, Charles-Hulk est parti sur la partie. Oh là là là. Vas-y, Nico, tranquille. Tranquille, Nico. Voilà. Une à une, vas-y, t'as le temps. Voilà. Nickel, voilà. Allez, tranquillement, continue, tranquille. Nico est passé. Sherlock est en train de passer. Il est en train de passer. Attention. Ouais, c'est bon, ouais, c'est ça bon. Ça va aller. Oh là 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 là. Tranquille, Nico. Sherlock est en train d'arriver chez les jaunes. Il est en train d'arriver. C'est le premier à passer, pardon. Ouais, ouais. Si je ne me trompe pas. Allez, Nico, ça voilà, va aller. Voilà, Charlock va faire tap relais à ton deuxième. Love est tranquille. Voilà, Koss est parti. Vas-y, Love, tu fais tranquillement. Sans courir. Et le pire, c'est que Nico, c'est le deuxième. Voilà, une à une. Troisième. Troisième. Non, Nico, je peux pas aller trop rapidement. Fais-les une à une, tranquillement, t'as le temps. Ah oui, oui, oui. Oui. Bruki était le premier. Oui, c'est ça. Ah, ok. Vas-y, on a encore un tour d'avance, donc ne t'inquiète pas. Allez, Koss est parti de ton école. Tout doucement, tout doucement. Prends ton temps. De toute façon, je vais essayer de virer maximum. Hein. Ah, je me suis pris à deux fois seulement, c'est tout, hein. Vas-y. Mais quand tu joues à la vie, hein. C'est même pas à moi. Hein. Ah, bon. Vas-y, c'est... T'as juste à faire un second saut. Vas-y, ouais, ouais, on fait les pom-pom girls pour une coco, vas-y, viens. Ah, Nico. Quand c'est tombé, quand c'est tombé. Nico. Donnez-moi un N. Donnez-moi un I. Nico est encouragé et s'apprête à monter. Vas-y, Koss. Vas-y. Allez, Koss, on y croit encore. Allez, tranquille. J'ai le droit de m'encourager dans l'eau. Ton équipe, elle est là. Tu fais ce que tu veux, Sherlock, à partir du moment où tu ne meurs pas. Okay. Ça serait dommage. Voilà. Voilà, tranquillement. Ça fait quoi si je meurs? Bah, tu vas te retrouver sur là où t'as apparu depuis le départ, vu que tu n'as pas dormi dans un lit. Allez. Donc, évite si possible, Sherlock. Ça serait sympa. Et oui, c'est vrai que ça serait bien que tu retournes sur la terre ferme. À éviter de déconcentrer tes coéquipiers. Allez, Nico. N'oubliez pas. Allez, Nico. Non. Allez, Nico. Bah oui, bien sûr, allez, Nico. Allez, Nico. Allez, là, tranquille. Ah, là, Nico. Te précipite. Te précipite. Une fois, une fois à la fois. Hop. Vas-y, tranquille. Vas-y. Encore. Tout doucement, c'est simple. Ouf, joli, joli. Bien joué, Nico. Gère, voilà, c'est bien. Voilà. Là tu tournes, il te restera plus beaucoup à faire. Ah, plus trop compliqué. Koss, qu'as-tu fait? Mais il est retombé. Allez, Nico, tranquille, tranquille. Allez, Nico, après ça sera passé. C'est ta dernière grosse ligne droite, dis-toi. Voilà, tranquille. Bon, c'est bien. Regarde sa clé sur le dernier. Koss, si tu le sais. Non, t'aurais dû sauter. Oh, non. C'est pas grave, allez. Au moins, t'as pu aller jusque-là, donc maintenant je connais bien le parcours. Allez, Koss. Et Koss est reparti. Allez, Nico, tranquille, maintenant tu le connais, le chemin. Je sais comment. Le chemin, précises-tu. Le chemin. N-I-C-E-O. C'est mon petit Nico. J'adore les encouragements. Allez, Nico. Allez, vous représentez la communauté. Allez, Koss. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez. Vas-y, là c'est l'escalier, tu sautes. Tu le sautes. C'est pas ton ami, vas-y.
s'emballer Nico. Allez, tout doucement. S'emballer Nico, exactement. Voilà. Allez, s'emballer Nico. Voilà. Le dernier, s'emballer attention. Nico. Voilà. Oui, c'est bien, vas-y. Continue. Et sur le chat, on me dit, mais qui va gagner? Mais qui va gagner? Vas-y. Passe. C'est là tout le suspense. Là, c'est tout simple. Vas-y Nico, c'est tranquille. Simple, ici. Tu connais. Non, c'est pas grave. Vas-y, allez, c'est tout simple, c'est tout simple. Vas-y, vas-y, continue. Écosse monte. Arrive à l'endroit. Comme allez, Nico, tranquille. Oui, monte. C'est pareil que le premier escalier. Allez. Vas-y. Après là, tu sautes, c'est tout simple. T'as des petits sauts à faire. Ça va aller ou quoi, Nico? Vas-y, t'as des petits sauts à faire. Voilà. Tout doucement. Allez, Nico. C'est bon, c'est bon. Tout doucement. Il va y arriver, il va y arriver. Je fous en lui. On croit voilà, à toi. Recule, tout doucement, vas-y. Tout doucement. Vas-y, recule, tout doucement. Vas-y, vas-y. Voilà. Ça se passe. Continue. L'avant-dernière arche. Tout doucement. Pareil. Pareil que les. Voilà. Recule. Ouais, c'est bon. Attention. Et c'est voilà, là où tout doucement, recule. Eu un peu du mal. Saute. Il passe, ouais. Il passe. Vas-y, vas-y. Et là, il n'y a plus qu'à éviter de dévier dans l'eau. Voilà, voilà, ah, on rattrape. Allez, Nico. Parce qu'après, là, tu seras coup d'un coup sans vouloir te mettre la pression. C'est la dernière ligne droite pour Koss. Passe le relais, Koss. Waouh. Allez, Nico. Hop, là, c'est Kinder. Le tout pour le tout, là. Allez, Kinder. Fais-le tranquillement. Fais-le tranquillement. Ça met la pression quand il est sur le bord. Allez, tranquillement, Nico. Tranquillement. Ah, Nico, il vient de retourner. C'est pas grave, Nico, allez, viens. Allez, Kinder, tu vas tout doucement. Allez, Nico. T'as encore moyen, t'as encore moyen. Mais non, parce que là, c'est les troisième passage de chaque candidat. Allez, Nico, t'as encore moyen, c'est pas grave. Je peux le rattraper. Tu te remets droit, tu sautes après. Tranquille. Attends, t'as de l'avance là. Vas-y. Regarde, le premier obstacle, tu peux le faire dans les poches. Vas-y. Allez, tranquille, tu prends ton temps sur les sauts. Tout doucement. Vas-y. Première difficulté pour un Kinder. Grand petit saut. Hop, c'est bon. Voilà, allez. Tout doucement. Voilà. Ouais. Voilà. Allez, Nico, t'inquiète. Continue. Ça fait plus allez, dur, Kinder. Merde. Moi je tombe dans l'eau. Allez, Kinder. Allez, Nico. Un Kinder gagné, un Kinder. Tout faire. Bah, gagné. Ouais, gagné. Vas-y, Kinder. Allez, Nico, tranquille. Doucement, fais attention. Fais-le tranquille, Nico. Fais-le tranquille. Tu recules, tu t'en mets bien droit. Voilà, Kinder. Allez, Nico, tranquille. Tout bien joué, ouais, tranquille. Bien joué. Tout doucement. Voilà. Calme-toi. Allez, tout doux. Tranquille. Allez, Nico. Vas-y. Allez, tranquille. Allez, tu fais. Ouais. Descends. Vas-y. Allez, après, bien joué. Dernier passage délicat. Je prends pareil. Allez, Nico. Nico, on est pas loin. Allez, tout doucement. Tout allez, doucement, Nico. Kinder. Prends ton temps. Voilà, remets-toi bien droit. Te précipite pas Nico, te précipite allez, pas. Pareil, oh là là, mais on sent que Kinder arrive. T'as plus qu'à. On allez, sent que Kinder arrive. Vas-y. Bien joué Kinder. Allez Nico. Allez Nico, dernière étape. Ah là 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 c'est pas grave. C'est la victoire des jaunes. Bien joué les gars, c'est pas grave. Alors les rouges, on a rendu la première avant de l'avoir tiré. Encore pour les rouges là. Ah là 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 là. Sacré retournement situation. Ouais. Et voilà, Nikoko est arrivé et. Elle n'empêche que Kaito peut parler, mais pas les rouges. Qui est-ce qui a donc Kinder, je vais. Bien joué, vous êtes bien couragé. Le travail d'équipe, vous avez bien joué. Je vais te demander donc d'ouvrir ce coffre. Et de partager la récompense avec ton équipe. Et voilà, si tu peux nous dire au micro ce que vous avez gagné. Alors, on a gagné 12 diamants, 3 patates, 3 poulets cuits, 12 steaks, 3 moutons cuits, 9 de viande de porc cuite.
9 patates cuites. Elle est rouge, on va vomir tellement qu'on va manger. Ça la bouffe, ça. Je la bouffe, je m'en fous encore. La bouffe, c'est pas un problème. Vu notre garde manger, c'est pas un souci. 15 minerais d'or, 32 charbons, oh là là. Et 5 tours d'or, par contre. Bravo! Bravo, bien joué. Bien joué, les jeunes. Là, les gars. Eh ben en tout cas cette épreuve a duré bien plus longtemps que prévu. Ouais. Moi je m'attendais pas à tout ça, à tant de pression, à tant de jeu, à tant de. Mais à tant de fair play. À tant de fair play. Ouais. Donc bien joué. Félicitations quand même aux rouges, ils se sont bien défendus, effectivement. Ouais, félicitations les gars. Mais oui, ça ira, on s'attrapera sur la prochaine, Nico, t'inquiète. Bon. J'ai fait un ouais, désolé quoi, t'es tombé. C'est pas grave, on aurait fait le même. Wakil, Ekin et Nikoko, franchement, eh, c'était que la première épreuve, il n'y avait pas grand chose à gagner. Ouais, c'est rien. C'est rien. En attendant, on a du diable. On a fait un content, Charlito, il est content, il a de la bouffe. méfiez-vous qu'il bouffe pas tout en juif. Donc forcément, effectivement, vous êtes trois. Essayez de vous partager, de vous entraider sur cette récompense. Voilà, on vous laisse libre choix de faire ce que vous voulez de vos gains d'équipe, les voilà, jaunes. Voilà. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous en vous nourrissant, effectivement. Ouais, et équipez-vous. Vous avez un peu de quoi faire là pour vous équiper. Donc bah, surtout, profitez de ça, de cette récompense pour... Ouais. Pour bien jouer par la suite. On va faire un barbecue cette soirée. Voilà. Sous la pluie. C'est ça. Regarde au large, j'aurai de la fumée, les rouges. Et ben en tout cas. Je sais pas, En tout cas, on va clôturer cet épisode sur cette fin d'épreuve. Ouais. Voilà, c'était une épreuve de confort et personne ne sera éliminé à cette issue de cette première trilogie d'épisodes. Et oui, voilà, c'était pour vous dire que. Le pire vous attend pour l'un de vous six, n'est-ce pas, Doucea ? Exactement. Un mot particulier à dire pour la fin de cette première trilogie d'épisodes ? Non, heureuse, je pense que ça doit plaire à nos viewers et aussi à nos aventuriers. Eh bien, on l'espère. Oui. Voilà. Ah oui. Et en espérant que ça plaît aussi à nos viewers. Oui. Aussi. On s'entremêle les pinceaux. Eh bien, les 6 survivants seront encore avec nous pour le 4e épisode de l'île des Pensées. Et n'oubliez pas, pensez à commenter, aimer, partager et à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook de Doucea et Pantouvoir Gaming. Eh bien, parfait. Donc on se dit pour le 4e épisode. Bonne journée à tous. Et bonne journée à tous, effectivement. Si vous avez un mot à dire, les pensées, profitez-en, vous laisse 5-10 secondes. Maman, papa, je vous aime. Et venez nous voir un pour la victoire des jeunes encore une fois. Ok, et sur ce, on clôture sans commentaire. Félicitations à la victoire des jaunes. Ok, merci. Parfait, merci pour votre fair play. Tu disais d'où c'est, hein ? Sur ce, pardon, nous clôturons l'épisode en disant... bonjour.